Hey, salut tout le monde, c'est Doom, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous ai demandé sur Twitter sur quel jeu vous aimeriez me voir jouer et vous avez été masse à me demander Yandere Simulator. Du coup, on va retourner dessus, j'ai trouvé des modes plutôt sympathiques, j'avais envie de les tester avec vous. Avant qu'on commence, j'aimerais juste vous remercier car vous êtes 19 000 sur Instagram, pratiquement 13 000 sur Twitter, 8 000 sur Snapchat et sur Facebook, plus de 4 000 et je voulais juste vous remercier parce que c'est beaucoup pour moi. Voilà, je suis touchée. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne me suivent pas encore, de me suivre justement, comme ça vous avez toutes les news, vous loupez rien, et je pense que c'est plus pratique. Donc l'armée des Doomzillias s'agrandit, et je suis très heureuse. Trêve de bavardage, on est parti sur le jeu, let's go! On commence par le mode pool party! Et yeah les amis, on est en vacances, on est en mode sable fin, hein, mettez-vous dans l'ambiance s'il vous plaît, imaginez sable fin, mer chaude. Ah, si tu commences comme ça, Yano, ça va pas le faire. Donc on va tester le mode de Monsterette pool party, on va voir ce que ça donne. Let's go. Oh, c'est trop stylé. Regardez la chambre, s'il vous plaît, quoi. C'est super bien fait. Et genre, c'est quoi ça? C'est tous les élèves. Ça fait un peu psychopathe, quand même, hein. Mais bon, après, c'est à Yano. Je me mets dans l'ambiance toute seule, quoi. Ah, oh, ça donne envie d'être à la plage. Mais non, je suis chez moi. Super. Bon, allez, il me tarde d'aller au lycée. Let's go. Let's go swimming. Avec le... Ah, c'est super bien fait. Waouh. Ah ouais. Putain, ça déconne pas. C'est vrai que maintenant, il y a une piscine en plus. Bonjour, madame. Si, si. Il y a mon petit cocktail de bienvenue. Salut, salut. C'est trop stylé, j'adore. Ah, bah, je passe avant tout... Pff, je m'en bats les steaks, moi. Je passe avant tout le monde. Allez, hop, je vous nique la place. Ah, il y a un petit problème, madame. Je passe à travers votre stand. Je prends des trucs. J'ai pris quoi? J'ai pris un cornet. Ah, putain, j'ai pris un bâton de glace. Je peux l'attaquer avec ça? Non, je peux pas l'attaquer. Oh, putain. Oh, merde. Ah, non. C'était un fail énorme. À la base, on devait se baigner et j'ai agressé quelqu'un avec un bâton de glace. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je l'ai passé avant lui, c'est tout. Mais voilà, il a pas voulu et... Un bâton de glace dans le cul, c'est tout. Bon, du coup, on recommence. Ah ouais, d'accord, cette fois-ci, on commence ici. Ah, mais c'est trop stylé, ils sont tous en maillot de bain et tout. Waouh. Oh, fais voir ton maillot de bain, toi. Miss Occulte. Satanas. Fais voir. Waouh, 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 waouh. Oh, il est trop stylé. Ah, j'aime bien avec la petite dentelle, c'est mignon. Salut les amis. Allez, finis les cours à la plage. Ah, il est trop stylé, il est mignon aussi son maillot de bain. Pourquoi c'est elle qui est le plus stylé? Putain, elle a des boobs, elle aussi. Oh là là. Oh bah alors, putain, alors elle a carrément un plateau en guise de boobs, quoi. Est-ce que je peux poser mon petit cocktail, s'il te plaît, sur tes boobs? Allez, vas-y. Et franchement, ce serait un bon commerce pour toi, hein. Tu prendrais pas mal, hein. Hein? Ok, d'accord. C'est pas grave. Waouh. Putain, je suis mode émerveillée par ce mode. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, elle est carrément allongée cette fois-ci, mais elle est dans le mur. Enfin, dans le mur, dans l'arbre. Putain, même mon téléphone, il a changé. Salut. Ça va? Ouais, t'as deux, trois petits bugs, mais bon. Non, ça passe, ça passe. C'est étrange comme situation, là. On est d'accord. Bon, alors, les amis, venez, on va tous à la plage. Oui, on est d'accord, il y a un petit problème. Alors, Tandaïne, elle est morte en prenant ses pompes. Je pense qu'elle devait puer. Hein. Et t'en as qui sont possédés, qui sont en lévitation. Ouais, ouais, je pense qu'il y a eu un drama, là, qui s'est passé quelque chose de mal. Oh non, tout est parti. Ah là, j'essaie de relancer le jeu, on va voir ce que ça donne. Le mode a été fait par Monster. Je sais pas si j'avais précisé, mais je préfère le dire quand même parce que j'ai envie de vous dire qu'elle a fait du bon boulot. Donc, c'est bon, on est reparti. On est reparti à notre pool party. Je vais éviter de faire des conneries, je vais éviter de tuer des gens. D'accord, ok. Je m'approche pas du stand. Ok. C'est quoi ça? Oh, j'ai un seau. Ah, venez, je vais vous arroser. Ah ouais, d'accord, je suis carrément du... Ok, je marche sur l'eau. D'accord. Je m'appelle Jésus, tout va bien. Ah ouais, ils sont en mode bronzette et tout. Ah, c'est trop stylé, j'adore. T'as même une pastèque qui bronze. Ok, si on veut. Alors lui, il bronze avec une... Le mec, il est en train de bronzer avec une glace sur le torse. C'est quoi ce maillot de bain là? Waouh. Attendez, on va... Oh, attendez. C'est dossier ça là. C'est quoi ce maillot de bain, mon gars? En plus, tu les as mis où tes attributs là? Ok, je vais arrêter. Non, bah c'est abusé là. Oh merde, j'ai fait bugger. J'ai fait bugger le jeu. J'y arriverai jamais. Tentative numéro 3. Putain, on va pas y arriver. Bonjour, encore moi. Salut les filles. Alors, ça parle de quoi? D'accord, vous parlez de choses que je ne comprends pas, hein. Écoutez, parlez plus fort. Non, d'accord, je m'en vais. Oh putain, il y a quelqu'un sur le plongeon, faut que j'y aille. Oh, le petit chat, même le petit chat, il profite. Moi aussi, j'ai un petit chat, tu sais. Elle ressemble un petit peu à Indy quand même. Hein. On a quelqu'un qui est en PLS derrière un dauphin. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de te noyer? Putain, mais elle me ressemble de ouf. Ah, Yano Hashi, bah oui, c'est moi! Oh putain, putain, faut que je la tue. Attends, je peux pas, on peut pas être deux, hein. Non, mais attendez, je peux pas la tuer là, oh, tout le monde va me voir. On peut lui parler? Complimenter. Bon, bah, Yano, ça fait bizarre de se voir quand même, hein. Reste en PLS ici, j'ai. Ok, je sais pas pourquoi elle est comme ça. Oh, je peux prendre la balle. Wouhou! Regardez les amis, j'ai une balle. Qui veut jouer à la balle avec moi? Putain, je me sens seule. Madame, vous voulez jouer à la balle avec moi? Oh, madame, vous avez beaucoup d'abdos, dis donc. Waouh. Eh ben, dis donc, vous êtes bien collée, madame. Vous avez quelqu'un dans la vie. Par contre, c'est qui elle? Waouh, elle est super blanche. Bon, il y a sûrement des personnages dont j'ignore l'identité. Megami Saiku. C'est cool. Par contre, j'adore ton maillot de bain, chérie. Est-ce que je peux monter? Téléporter. Ça, c'est pratique. Ah, c'est la prof. Madame, j'aimerais faire un saut. Vous m'aidez, s'il vous plaît? Comment on fait? On saute? Yalla. Oh, c'était magnifique. C'était le plus beau saut de toute ma vie. Later. Compte, c'est leur office. Bonjour, madame. Mais quoi, madame? Ah, vous regardez les vidéos de Doops? Ah, oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Continuez, madame, continuez. One eternity later.
Putain. Pourquoi j'ai fait ça, mon dieu? En même temps, je suis en train de... Ça fait longtemps que je joue plus, donc du coup, je découvre des choses. Je suis cachée, tu me verras pas. Hey, les amis! C'est mieux comme ça? Vous m'acceptez dans votre clan? Eh, s'il vous plaît, je veux des amis. Les amis, vous savez quoi? Je pense que je vais faire un carton avec cette blague. Du carton. Ok. Ayano, on a un problème! Je suis Ayano. Ayano carton. Non, moi je suis la vraie Ayano. Toi t'es la Ayano en carton. Même si je porte un carton. Écoute, ça va pas se passer comme ça. Où est mon arme? J'aimerais prendre l'arme avec moi. Ah voilà. Ah! Tiens! Salope! Non! Putain, y'a du sang bleu, mais c'est quoi ce délire? Cette scène est totalement absurde! Putain, c'est pas possible! J'ai tué Ayano! Putain, comme quoi c'est super utile en fait! Il était utile mon carton, eh! Vous foutiez de ma gueule avec mon carton, mais regardez, hein! Personne peut m'attraper maintenant! Alors, et moi les malins? Vous pouvez pas m'attraper! Oh non! Oh non, putain! Oh non! Bon, bah voilà, Ayano carton, voilà, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi ma mission. Cette fois-ci, les amis, nous testons le mode Anako Yamada. Ce mode a été encore une fois réalisé par Monsterette. Et cette fois-ci, nous jouons le rôle de, c'est la sœur de notre senpai. On va voir ce que ça donne, ça va être un peu étrange, je pense. Parce que c'est pas du tout Ayano. Waouh! D'accord, tu sens un peu la meuf hyper fan de son frère, quoi. Ah ouais, donc là, c'est sa petite chambre. Bon, bah écoute, on va voir ce que ça donne. Hein. Big bro! Ah ouais, carrément, maintenant, il y a le big bro. Ouais, on est parti sur un trip de drogue massif, quoi. Best dream ever. Ah, elle est en train de rêver. Quoi ce délire? What is your big bro? Wake up. What? What the fuck? Oh! Francis! On va être en retard, là. Dépêche-toi. Il est en train de me dire qu'il faut que je me dev. Je suis sa petite sœur. C'est démon. Si, je suis prête, t'inquiète pas. Ça, c'est quoi cette chambre là? Oh, c'est super bien fait! Et par contre, pourquoi j'ai un lit de bébé ici? Grand frère, je suis un enfant, je suis pas au courant. Du coup, on va y aller, ça c'est quoi? Ah, c'est mon petit cartable! Oh, elle est trop mignonne! Vas-y, grand frère, on y va! Ah, je peux l'attaquer? Ouais, je peux l'attaquer. Vous me connaissez. Ah! Non, je peux pas l'attaquer, ok. Ah ouais, d'accord, on pop directement. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu me fais peur! Mais c'est quoi ce monde des bisounours là? Ah ouais! C'est super beau, c'est super bien fait, c'est trop mignon! Bah, on est pas trop lisseux ici, hein! Grand frère, qu'est-ce que j'ai pris comme drogue? Dis-moi tout! Tu m'as drogué avec quoi ce soir? C'est horrible! Du coup, j'ai pas d'autres élèves, je suis toute seule! Ok, d'accord. Ah ouais, on est dans une ambiance hyper mimi, quoi. Girly, tout ce que tu veux. Mais c'est trop chou. Bonjour. J'ai couru. Oh, j'ai même des petits cadeaux et tout, là. Ah, c'est trop stylé. Putain, j'adore, en fait, j'adore. Salut, les filles. Je suis la grande sœur de Senpai. Vous l'aurez pas. Personne sortira avec. Toi, t'es buggée. Toi, t'es moche. Tu l'auras pas. Mais c'est pas un sac que j'ai! Ah! Non! Putain, mais c'est quoi ce sac que j'ai, là? Je trouvais qu'elle était trop moche pour sortir avec mon frère, voilà. Ah d'accord, cette fois-ci, je suis bien en cours, comme tout le monde. Par contre, faudra m'expliquer sur quoi je marche pour faire ce bruit, hein. J'ai perdu mon grand frère, vous l'auriez pas vu? Ah bah c'est lui. Mais pourquoi tu veux pas me parler, frérot? Et donc du coup, ça c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord, c'est des armes. Quoi? Oh non, excusez-moi, j'ai cru que c'était un nez d'ours. Ah, c'est dangereux leur truc. C'est quoi ça? Oh, une sucette. Moi, oh non, un gant, je veux le gant, moi. Circulaire. Ah ouais, d'accord. Ça c'est la scie circulaire et en fait non, c'est une main, une patte de chat ou je sais pas ce que tu veux. Où est mon grand frère? Ah, frérot. Ils sont pas mignons? Ils sont mignons quand même tous les deux, hein. Regardez-moi ça. Non? Est-ce que je peux tuer mon grand frère? Ah si, je peux l'attaquer. Tiens! T'as jamais été un grand frère exemplaire! Personne m'a vu, putain! J'ai tué cette main. Oh, regardez son sang! C'est trop mignon! Son sang, il est trop chou! Et regardez ce que j'arrive à faire avec le sang de mon frère! Je vais le ramener à Joséphine, Ayano Joséphine! Qu'est-ce qui se passe? Hein? Quoi? What the fuck? C'est Ayano! Mais où tu vas? Non, reviens! Non, tu es mon modèle dans la vie! Ah, fallait que tu sois armée! J'espère qu'elle va pas prévenir les flics! Vous avez vu! S'il vous plaît, rediffusion! Vous avez vu son air sadique? C'était du Ayano, ça! Non, Ayano, elle est partie, putain! Je suis dégoûtée! J'ai tué cette paille pour elle! Bon, à la base, elle aurait dû me tuer, hein, parce que j'ai quand même tué le mec qui a kiffé à mort! C'est pas très réaliste quand même, parce que j'ai réussi à tuer mon frère! Hein. J'ai envie de vous dire, c'est un peu la merde! Hein. Du coup, j'allais prendre un petit bain! La 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 la! Ah ouais, carrément, même dans le bain, c'est assez bizarre quand même! Hein. Sa sœur, à la poêle, elle va prendre une petite douche là, et elle a son frère en image. Je suis en pyjama maintenant, ok, je suis en pyjama à l'école, tout va bien. Oh, c'est trop mignon, c'est des petits chats tigres. Oh, c'est trop chou. Personne n'a calculé qu'il y avait mon frère mort, c'est bon? Ok, tout va bien. Je fais que passer, tout va bien. Salut, excusez-moi, faites pas attention, je suis en pyjama. La 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 la. What do you want, loser? Je suis pas une useuse, ok? Je viens de buter mon frère, donc me cherche pas. Et toi, t'es pas crédible du tout avec un nounours, ok? Bon, on va accélérer un peu les choses, je vais leur montrer mon cadavre. J'aimerais voir en fait si je peux être interrogée par les flics. Ah là, là, ça, ah là, j'ai capté votre attention. Tiens, regardez, on a une autre sadique. Toi, t'es la pote de. T'es parti? Ah, elle est partie, d'accord. Bon, allez prévenir les flics, là, putain, il y a un mort. C'est mon frère, hein. Je suis très triste, en vrai. Madame, regardez, mon frère est mort. Dites-moi ce qui s'est passé. S'il vous plaît, je suis trop triste. Mon frère. Acteur studio. Putain, 4 minutes à attendre. Bon, madame, je vais me débarrasser du cœur, c'est un peu trop long, d'accord? Vous me permettez? Merci. Allez, je vais le ramener à la maison. Je voulais le ramener à la maison.
Ah ouais, bah voilà, elle a fini chaud, elle a tellement eu peur qu'elle a plus de cheveux. Cette fois-ci, les amis, on se retrouve sur le mode Mario! Mario Simulator. Ce mode a été fait par contre par je ne sais plus qui. Ah, et j'ai oublié. J'ai pas trouvé son nom plutôt, et donc du coup, on va voir ce que ça donne ce mode. Bon, il est beaucoup moins travaillé que ceux de Monsterhead par contre. Hein. On est pas tout de suite dans l'ambiance, mais j'ai envie de voir ce que ça donne, Mario. What? Bon, attendez, c'est quoi ce bordel? J'arrive et direct qu'il y a ça là. C'est quoi ce bordel? Putain, mais meuf, il te manque tes cheveux à toi. Ça te dérange pas? Eh, on t'a grillé. On t'a grillé. Tu portes une perruque, meuf. Ok, d'accord. Bon, on a déjà une petite musique d'ambiance et. Oh, elles sont trop belles. Ah, Daisy. Putain, mais il y a même Mini. Mini Daisy, c'est trop mignon. Oh, salut. Ah non, mais vas-y, qu'est-ce que tu fais? Ah, oh, elles sont trop belles. Peach, elles sont trop belles, c'est des princesses. On a Mario aussi, regardez Mario. Et on a... Oh putain, je sais plus son nom, il est hyper connu, mais je me souviens jamais son nom. Par contre, la rouge, je ne vois pas trop qui tu es. C'est Peach, mais Fire Peach. Waouh, ok. Fais voir. Daisy. Et là, par contre, on a Rosalina. Ok, d'accord, c'est trop mignon. Mais alors, attends, ça c'est Mini Daisy, quoi. Ok, Baby Daisy, on a Baby... Oh putain, j'ai vu une culotte là. Ah, c'est trop mignon. Putain, mais Daisy, t'es trop belle. Non, c'est pas Daisy, ça c'est Peach. Peach. Yeah, Peach, Peach, Peach. Alors du coup, là, on a Mario. Et là on a... Ah oui, c'est Bowser. Bowser, j'ai jamais réussi à le prononcer en fait, c'était ça mon problème. Venez donc avec moi les filles, nous allons discuter. Viens avec moi. Oui, je me retrouve avec Peach. Est-ce qu'il y a Toad? Enfin moi je l'appelais Toad, je sais plus comment on l'appelait. Petit champignon là. Ah, le club des occultes. Hé, regardez, j'ai quelqu'un pour le sacrifice les amis. Nous avons... Daisy. Daisy, montre-nous la voix. Oh non, oh non, 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 c'est pas moi le sacrifice. 6 and a half hours late. C'est quoi cette coupe de cheveux que t'as? Y'a eu un problème, le coiffeur il t'aimait pas hein. Regardez-moi ses cheveux. Elle a un problème. Eh meuf, franchement ta coupe elle est pas top quoi. Moi je dis ça pour toi. Est-ce que je peux être en princesse moi aussi? Je peux même pas être en princesse. Je suis un petit chat. Tu vois, elles sont passées où les princesses? Elles sont mes princesses. J'ai perdu mes princesses. Vous savez pas où elles sont? 2000 years later. Bon les amis, nous savons qui est l'ennemi. Ah, c'est lui. Va voir qui me suive. Non, on va pas l'attaquer en public. Dis donc, jeune ami, je vais ranger mon arme. Il veut la mort de tout le monde. Donc tu vas me follow me. Viens avec moi, je vais te montrer un jouet. Viens, viens avec moi dans cette salle magnifique. Magnifiquement seule. Fermons la porte. Non, pars pas. J'ai failli ma mission, failli. Ha! Voilà. Tu es mort! Bowser. Bon, voilà, vous m'avez compris. Allez, viens avec moi, grosse tortue. Les filles! Non, mais j'ai sauvé la vie des princesses. Où est le problème? Bon, et bien voilà, les amis, c'est la fin de la vidéo. Bon, pour le dernier mode, il était beaucoup moins travaillé que les deux précédents. Mais bon, c'était quand même fun de les voir en Mario Simulator. J'espère que cette nouvelle vidéo sur Yandere Simulator vous aura plu. Moi, je me suis éclatée avec les mods, juste surtout les deux premiers, j'ai trouvé ça trop drôle. N'hésitez pas à laisser un like si vous voulez que je continue à faire des mods sur Yandere Simulator, et même de reprendre un peu l'histoire parce que je suis un peu perdue. Donc, si quelqu'un pouvait me faire un petit résumé, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant la prochaine les amis, portez-vous bien, ciao.